La 17e journée, dernière journée des phases aller, avec une petite défaite, dommage parce qu'il y avait la place pour faire un bon résultat du FC Villefranche face à cette équipe de Cholet. Quelques occasions ratées, puis encore une fois, on peut le dire Alain, c'est agaçant, des faits d'arbitrage un peu décevants, il faut le dire ce soir quand même. Il ne faut pas se réfugier derrière l'arbitre, mais après, voilà, moi j'ai pas grand chose à reprocher aux garçons, en tout cas en termes d'investissement, en termes de jeu proposé. Je pense qu'on fait un match encore une fois qui est, je trouve, plaisant à regarder. Je pense qu'on a le ballon, qu'on maîtrise les débats, qu'on s'assoit dans le match de bonne façon pour poser des problèmes à cet adversaire. Sauf que la dureté du foot, c'est qu'on peut se faire punir sur une situation où, et là en l'occurrence, Cholet a été ultra réaliste, il marque 3 buts sur quasiment 3 occasions ou 2,5 voilà, au niveau du match. Que nous on a les ressources morales à chaque fois pour revenir, je pensais que même du coup... Le fait de revenir à 2-2, on pouvait même basculer dans le bon sens parce qu'on sentait que l'équilibre était fragile en face et qu'il commençait peut-être à baisser de pied. Et bon, voilà, après, on prend encore un troisième but un peu gag parce que j'ai le gardien qui glisse, voilà, une intervention où l'attaquant a un peu de réussite et au final, on perd le match. Voilà, bon, c'est ce que j'ai dit aux garçons. Maintenant, il faut arriver à se laver la tête, partir couper, boire une coupe de champagne et repartir gonflé à bloc en 2019. Mais c'est vrai que ce match-là, encore une fois de plus, à domicile, il fait mal à la tête. Mais on a l'impression de revivre des scénarios où on voit des buts un peu vraiment venus de nulle part, avec des frappes comme celle de Laval, comme celle de Bourg. Là, c'est pareil, il y a une frappe aussi. Voilà, donc il faut arriver à faire le dos rond et puis malgré tout moi je trouve que voilà, je suis content quand même de voir l'équipe de Villefranche évoluer parce que c'est ce que j'aime voir, proposer du jeu. Maintenant là ça avait souri contre Laval, là ça n'a pas souri. Après je pense que il nous manque quelques forces vives aussi qui dans la rotation d'effectifs fait que peut-être que voilà, on manque un peu de poids pour pouvoir amener de la plus-value sur un deuxième temps de match. Voilà, même si tout le monde joue le jeu, il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais c'est vrai qu'on s'aperçoit quand même qu'il y a quand même quelques éléments qui sont indisponibles, qui peuvent faire défaut par certains moments, comme ça, là, en fin de saison ou en fin de parcours, pour amener un plus à l'équipe. Mais bon, voilà, maintenant, il n'y a pas mort d'homme, il faut rebondir dès janvier avec un beau match vraiment que beaucoup d'équipes aimeraient jouer, un 32e de finale, et puis derrière... aller récupérer des points à Marignan. Et surtout beaucoup de récupération pendant une coupure d'une semaine, Alain, pour vos joueurs. Ouais, c'est ça, on va couper une semaine, c'est pas beaucoup parce que du fait qu'il y a la coupe. Mais bon, voilà, je pense que quand on joue un 32e, voilà, c'est quand même valorisant. Et même s'il faut reprendre un peu plus tôt, c'est valorisant de jouer ce genre de match. Donc les garçons le savent, ils savent que voilà, ils ont une semaine de coupure, ça va quand même permettre. Aux garçons de régénérer on va dire, le mental et les jambes. Et puis derrière, je compte sur tout le monde pour voilà, tout le monde sera d'aplomb pour repartir du bon pied. Voilà, donc retour en 2019 avec le FC Villefranche. Ça démarra le 5 janvier à l'extérieur par un 32e de finale de la Coupe de France. Et ensuite, on rebolote, on retournera du côté du championnat national avec le FC Villefranche Beaujolais.